Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un nouveau niveau de From Dust. Sans plus attendre, nous allons reprendre du coup l'histoire de notre petite tribu. C'est parti! C'est Belounia, Pungdia Bank Bahari, Dan Zamani, Toje Jamereka, Dalam Liputan. C'était là Amerika Peri, Bavina Jalaki Bahari. D'accord. Que faut-il faire? Il y a pas mal de totems. Ah, on a un arbre à feu. Toi. Déjà, au revoir. Moi, c'est comme ça. Je les aime pas, ceux-là. Y a un truc à aller ici. D'accord. On va peut-être commencer par ça. Ah ouais, l'eau, elle... D'accord. En fait, l'eau, elle rentre. Et elle ressort. Ah... Je vais peut-être faire un petit pont ici, tranquille. Ouais. Il faudrait qu'ils aillent là, mes petits cocos. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est... C'est tout, y a plus rien. Ouais, c'est pas en faisant ça que je vais réussir à faire un... Mais merde, l'eau elle revient! Et mes gars? Ah merde! D'accord. En fait c'est ça, l'eau elle arrive, elle s'engouffre et elle repart. Oh là là, ok d'accord. Sauf qu'il va... Lui, il a réussi à prendre le pouvoir de je sais pas quoi. Il va repartir. Mais oui, mais mon coco, tu vas pas pouvoir là. Tu vas être bloqué. Comment déverser terre? Déverser terre, c'est la tête en triangle. Attendez, tête en triangle. C'est ici. Engouffrer. Oui, je sais, je sais. Bah oui, bah écoute, j'y peux rien moi. J'arrive. Oh, tu crois quoi? Attends, ça arrive. J'attends qu'il y ait un peu moins d'eau. Oui, j'attends qu'il y ait un peu moins d'eau. Est-ce que ça te va comme ça? Tiens, est-ce que je peux les envoyer là pour faire une... Ce sera... Je sais pas quoi, d'ailleurs. Mais... Ouais, d'accord. Donc, on a acquis un pouvoir. Et là, je crois que l'eau, elle va revenir nous enquiquiner. En fait, il faut blinder. Ah ouais. Il faudrait, en fait, que j'arrive à bloquer l'entrée ici. Et pourquoi je peux rien prendre? Ouais. Mais c'est pas ça que je veux prendre du sable. Mais bon, on a deux villages de fait. On est bien. Mais maintenant je peux reprendre de la pierre. J'ai une nawak. Figello! Ah! Voilà, c'est ce qu'il me faut! Ah ouais, mais là, il y a tout qui s'en va et tout. Bon, bah, dès que ce sera à sec,
Je fige l'eau. Mais le problème, c'est que... Ah, le passage, il est là. Le passage, il est là. Aidez-moi. Ayuda! Ouais, oui, mais excuse... Il faut que... je sais pas, il faut que j'aille ici. Ouais, mais ça va être compliqué, hein. Parce que si je peux pas vous prendre de la terre... Créer un pont et tout pour bloquer l'eau, ça va pas être indéfini, hein. Ça arrive les enfants. Voilà. Voilà. On va attendre que ça se vide bien, bien, bien comme il faut. Je pense que du coup. J'ai l'eau, c'est 1. Est-ce que c'est bien déversé ou pas? Ok. Moi, je peux pas? Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, l'eau, elle va revenir dans pas très longtemps et il faudrait que je fasse un putain de barrage de la mort. Le problème, c'est que j'ai pas assez de sable pour ça. Moi, je veux bien, hein, les enfants, y a aucun problème. Mais il y a un sacré gouffre à combler, donc... Ils viennent pas, hein. Le totem fait qu'on appuie sur espace pour ça. Et en fait, non, elle est pas... Et l'eau, elle revient. Ah. Bah ouais, on n'a pas assez de... Peut-être là. Oh, mais trop tard. Je vais essayer de... choper le peu de sable qu'il y a de dispo pour faire un espèce de semblant de... Ah ouais, mais toi en plus, saloperie, va, tu déverses ton eau ici et... Non mais barre-toi. Voilà. Hé, hey, mais elle fait du sable. Oh, là où je la pose. En fait, tu peux m'être utile quand même. Non mais là, ça sert à rien, c'est re-englouti. En train de réfléchir, mais je vais essayer de refiger l'eau, hein. De toute façon, on peut pas faire trop autrement. Ah ouais, ici, ici. Quand l'eau elle sortir, on a pas mal de sable. Donc il y a peut-être moyen de moyenner. Ici. Désolé mec, je te pompe l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. Peut-être qu'il faut que je fasse ce totem là avant, engouffré. De toute façon, l'eau revient, donc on va bientôt le savoir. Bon, c'est comme ça, moi j'étudie bien le cycle. Là, on a presque... Putain, mais l'eau, elle passe là maintenant. Arrêtez de m'enquiquiner, l'eau. Oh non, mais ça passe au-dessus. Oh, mais c'est pas vrai. Une digue... La digue ne tient pas. J'ai ces deux villages-là qui se passent bien. Hein,
quoi, on va le mettre là. Ah! Je voudrais te choper, toi. Ok. Voilà. Shakele, shakele. Toi aussi, on va te mettre là. C'est la galère! Mais moi il me faut de la petite sable les enfants. J'ai tout pompé le sable. Non, il y en a encore. Ouais, mon objectif ce serait d'essayer de sauver ce truc là. Mais ça risque d'être coton quand même. Est-ce qu'on est bon ou pas? Est-ce qu'on peut retirer l'eau, mec? Parce que comme tu veux pas, ils veulent pas aller au centre. Puis là, bon, je commence à me faire une idée, hein. La marée, elle passe. Donc... Ah, ça repasse là! Ah, c'est pas possible! Mais ça va jamais tenir. Non, c'est bon, c'est... Si ça repasse par au-dessus de l'autre côté. Après, je sais, je peux figer l'eau. Mais c'est pas le moment de figer l'eau. Vous voyez, là, la marée, elle monte. De toute façon, ça sert à rien. Ce que je fais, ça sert strictement à rien. Toi, on va te mettre là. Il y a franchement pas assez de sable. Ah, le passage, il est... Quand la mer elle est haute, le passage est découvert. Voilà, comme ça on le saura. On va y arriver. Hein. Sinon vous savez que avec le temps. Je mets mon temps, mais j'arrive à faire. Allez, venez ici. Parce que là, faut pas qu'on traîne trop. On va essayer de... Ouais. Pour l'instant, on a figé l'eau. Je vais figer l'eau peut-être, du coup. Voilà. Je vais figer l'eau en attendant que mes petits bonhommes... Même ce passage là il est un peu capoute, hein. Allez, faites-moi un village s'il vous plaît rapidement, comme ça peut-être qu'on va pouvoir monter l'eau. Il nous reste 20 secondes. Ceci, le truc monte. Ouais. Je suis pas sûr qu'il soit à l'abri. Hein. Vous avez découvert un nouveau pouvoir du souffle. Le pouvoir engouffré vous permet d'aspirer et de détruire la matière sans avoir à la recracher pendant un temps limité. Ah ? Donc en gros, je vais pouvoir aspirer de l'eau sans problème. Ce nouveau pouvoir engouffré vous permet de vider un lac de façon très rapide. Utilisé en combinaison avec amplifier le souffle ou figer l'eau, ce pouvoir peut être indispensable. D'accord, j'ai compris. Et là, figer l'eau, je peux pas le refaire pour l'instant. Je croise les doigts. Oh, ils vont se faire bouffer là. Ah ouais, parce que là la mer monte, putain, j'espère que mon village va tenir. J'ai très peur. J'ai très peur qu'ils tiennent pas. Eh ben non.
là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon ben, on va engouffrer. Ça aspire de ouf. Oh la vache. Et toute cette eau, où va-t-elle? Elle est là, les enfants. Ce serait génial si vous aviez le temps d'aller là, parce que franchement, je pense que sinon on est mal barré. C'est pas grave, je vais figer l'eau, hein. Figer l'eau, je peux. On a encore le pouvoir. Voilà, je fige l'eau. Ah, finalement, les pouvoirs sont très utiles, hein, si on arrive à les gérer, parce que là, c'est vrai que j'ai pas trop réussi jusque là dans le jeu. C'est un peu compliqué. En fait, on est... Ouais, putain, ils sont déjà là, les gars. Vite! L'eau va revenir. Oh, j'ai pas le temps d'engouffrer. Vous êtes couverts de nouveau... Ah, punaise, il y en a qui se font tuer, oh mon dieu. D'ailleurs, c'est la terre permet de remplir le souffle de terre et d'en générer sans limite pendant un certain temps. Oui! Oui! Oui, ce nouveau pouvoir... Ouais, mais ça continue de jouer. Désertateur, vous me décrivez des digues. Ok, d'accord, 4. C'est génial. Oh. Oh mais attendez. Ah, ils sont trop forts, mes primitifs. Parce que là, ils se protègent eux-mêmes. Ah mais c'est génial, je les adore. Comme ça, il y a l'eau qui monte autour. Vous savez, vous souvenez, comme une tsunami. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Et le passage est ouvert. Oh, j'ai réussi la mission beaucoup plus vite que je n'aurais cru. Ah, amplifier le souffle engouffré. Waouh, je suis soufflée. Ah, et ça protège là aussi. Oh, mais c'est magique. C'est magique, j'ai envie de... Du coup, faire une petite digue comme il se... Toi ici. Ah, c'est trop bien. Et dès que l'eau s'en va, on pourra de nouveau soit on part. Et l'eau elle s'en va. On a tout le temps. J'ai fait tout comme il fallait. Je suis trop fière de moi. Ah bah vous savez que c'est un peu chaud, hein. Je pense qu'à regarder c'est plus facile, hein. Mais à faire vraiment, hein, des fois faut qu'on ait les yeux partout. Alors j'ai demandé d'amplifier le souffle, il me l'amplifie. Bon. Oui. L'eau revient. Bon d'accord. Je vais du coup la déverser terre. Allez hop, on va faire une petite digue ici. Ça va être compliqué par contre, je crois. Ouais, l'eau elle est trop forte là. Faut recharger. Ah ouais, mais c'est ici en fait qu'il faudrait que je bloque l'accès.
Eux, ça va. Pour l'instant... Pour l'instant, ça passe. Hein. Ils sont bien. C'est impressionnant, regardez-moi ça. Waouh, ils sont... C'est énormissime. Le passage, il est ouvert. On va y aller de toute façon. Là, je pense qu'ils vont savoir se débrouiller sans moi. Hein. Parce qu'en fait, je voulais jouer un petit peu encore à déverser la terre. Pour en mettre un peu partout, bloquer l'accès ici. D'ailleurs, je peux... C'est vraiment pas long, hein. Et voilà. Comment on fait en plus... Non, engouffrer. Engouffrer, c'est retirer l'eau. Engouffrer, c'est retirer l'eau. Mes petits primitifs, c'est les meilleurs. Et après, pouf! Non, je voulais déverser la terre! Ah bah tant pis, on va engouffrer. Voilà, ah, trop tard. De toute façon, ils se débrouillent, hein. Mais ouais, c'est impossible en fait de créer une digue qui résiste. C'est impossible. Mais on va, c'est pas grave. Je vais figer l'eau comme j'ai dit. Et puis... oh, c'est... Mais j'adore, vraiment. Eux, ils sont bien. De toute façon, et tous les villages sont protégés maintenant. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à découvrir? Non, je suis bien. On va aller ici, on va figer l'eau dès que le passage sera OP. Voilà. Et on va figer l'eau, c'est le numéro 1. Et on va appeler les hommes. Est-ce que je peux déverser la terre encore? Déverser la terre 4. Elle est belle ma digue là, non? Devrait être bon là. Oh, elle est pas belle ma digue de sable. Je suis pas sûre qu'elle résiste, mais bon, on le saura peut-être pas. Là, ils arrivent. Le passage. Wouh! Alors, on saura peut-être pas. Est-ce que j'attends de voir si la marée arrive? L'eau elle est figée de toute façon, donc pour l'instant elle bouge pas. Non, on va y aller. Nous allons quitter cet espace. Allez, magnifique. Je suis toujours aussi fan du design et tout, franchement, c'est très très beau. Et on va passer à l'étape d'après. Et ben c'est parfait, moi je vais vous laisser ici. Je vais... Ça, pour l'instant on a la petite cinématique. Ouh là 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 là, le prochain il y a de la lave. Ouh là là la lave, ouh là là la lave. Ça promet d'être très sympa. Est-ce qu'on peut échapper tout de suite? Hop, on ne verra rien. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour un épisode de From Dust ou d'autres choses. Allez, salut.